rentrer dans la parole. Le but même pour lequel nous sommes ici. Le Prana me dit, j'aime lire la parole de Dieu. Parce que je sais que ça, ça ne peut pas faillir. Prenons Apocalypse chapitre 1er. Nous lirons à partir du 7e verset. Au 18e verset. Et après, nous prendrons Romains chapitre 8, verset 11. Commençons par Apocalypse. Après le chapitre 1er, versets 17 et 18. Disons dans le nom de Jésus. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » When I saw him, I fell at his feet and thought that, but he laid his right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. And the living one, I died. And behold, I'm alive forevermore. And I have the keys of death and hell. Romains chapitre 8. Nous lirons seulement le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, toi l'auteur de la parole, encore une fois nous te sommes reconnaissants ce matin. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Père. Nous sommes ici pour commémorer ta résurrection. Nous sommes ici pour te dire que tu es digne, Père. Tu es le seul qui a été trouvé digne, Seigneur. Alors qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre, même pas de le regarder. Mais toi, tu as été trouvé digne. Tu es celui qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, Père. Nous sommes ici pour t'élever, Seigneur Jésus. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous venons de lire ta parole ouinte, ô Dieu. Nous te demandons de bénir ce que nous venons de lire. Circoncis nos cœurs, ô Dieu. Circoncis le leur, celui par qui tu vas nous parler, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur Jésus. Car nous croyons que tu continues encore à parler, ô Dieu. Écarte l'homme du chemin. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes tous ici pour t'écouter. Parle à nos pères, afin que nos âmes vivent. Nous comptons sur toi et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes assis, je vais prendre encore Matthieu 28. Là, je pense que je vais lire seulement en français un peu rapidement. Matthieu 28. Ils ont à partir du premier verset. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Il n'est point ici.
il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Amen. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Amen, amen, amen. Et voici, il vous précède en Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Amen, amen. Allez promptement dire à ses disciples. Allez passer la nouvelle. Allez leur dire qu'ils arrêtent de trembler. Qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Il est ressuscité. Amen. Amen, amen. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et ce matin, je viens promptement pour vous dire qu'il est ressuscité. Qu'il ne plie dans la tombe. Amen. C'est sa Pâque. Jésus ne plie dans la tombe. Il est ressuscité. Je viens promptement vous dire ça aujourd'hui. Qu'il est vivant. C'est sa Pâque. Et mon petit sujet de ce matin, je dis ce que représente Pâques pour nous. Amen. Ce que Pâques représente pour le chrétien. Frère Branham dit ceci, que c'est la plus grande fête de toutes les fêtes. Alléluia. Il n'y a pas une fête qui dépasse Pâques. Pâques, c'est sommet des sommets. Nous pouvons parler, nous pouvons dire des mêmes choses avec les autres religions. Mais quand nous serons en train de parler de Pâques, les autres religions vont se taire. Alléluia. Quand nous dirons que Jésus-Christ était né, ils diront aussi que le fondateur de leur religion était né aussi. Quand nous dirons que Jésus avait fait ceci, avait fait cela, et nous parlerons aussi de ce que les fondateurs ont fait. Et après, nous leur dirons que Jésus était mort un vendredi soir. Ils nous diront aussi que pour eux aussi, ils étaient décédés un certain jour. Mais quand nous parlerons de Pâques, ils vont se taire. Ils vont fermer leur bouche. Ils n'auront rien à dire. Ils n'auront rien à nous informer. C'est pourquoi le frère Branham a dit que la seule vraie religion au monde, c'est le christianisme. La seule, l'unique religion qui peut prouver que son fondateur était mort, qu'il est ressuscité, il est en vie. C'est le christianisme. C'est ça qui marque la différence. Amen, amen. Amen. Il dit Jésus devait naître. Amen. Jésus devait naître. Il était né dans un vide. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ça. Mais je vais d'abord lire la prière du prophète. La prédication. Vivant, mourant, enseveli. Ressuscitant, revenant. Prêché en 59, paragraphe premier, il dit, les sentiments que nos cœurs approuvent aujourd'hui dépassent tout ce que l'on pourrait exprimer dans les langues humaines. Là, il est en train de prier. Tandis que nous nous réunissons ici en ce matin, le plus solennel et sacré. Ce matin représente le jour où notre religion est devenue réelle. Parce qu'il s'agissait de la résurrection de ton précieux enfant. Venu pour racheter toute la race humaine. Et nous sommes ici ce matin pour célébrer cette grande victoire suprême. Seigneur,
qui nous a rendus plus que vainqueurs sur la mort. L'enfer et la tombe. Amen, amen. Ce qui nous a rendus plus que vainqueurs. Nous donner la victoire sur la mort. La victoire sur la tombe. Sur le séjour des morts. Alléluia. C'est une grande fête. C'est un grand événement. Je disais que Frère Branham dit que Jésus devait naître. Il est né dans un but. C'était celui de sauver l'humanité. Et il était l'expression de Dieu. Il présentait ce que Dieu était. Ou ce que Dieu est. Dieu est amour. Et Jésus était l'expression de Dieu. On pouvait voir Dieu dans la vie de Jésus. On pouvait voir ce qui est Dieu au travers de Jésus. Jésus était amour. Jésus était un paquet d'amour. Jésus a mené une vie enveloppée d'amour. Amen, amen. Frère Branham a dit, seulement quand il est venu au monde, alors que ce petit main touchait encore les joues de sa maman, il était déjà amour. Amen, amen. Et toute sa vie était amour. C'est pourquoi il pouvait compatir. C'est pourquoi quand on l'a amené une femme qu'on avait attrapé en flagrant délit, alors qu'on voulait la lapider, on l'a amené vers lui. On l'a amené vers l'amour même. Ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu dis de ça? Car la loi nous dit qu'une telle femme doit être lapidée. Nous sommes déjà prêts pour la lapider. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Lui, comme étant amour, comme il était plein d'amour, il n'a pas condamné la femme. Il s'est mis à écrire par terre et dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre sur cette femme. Tous ont jeté leurs pierres. Et quand Jésus s'est relevé, il est resté seul avec la femme. Et il a dit à la femme, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour peut pardonner. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Et Frère Branham dit il est tellement saint, mais qu'il est descendu trop bas dans la profondeur du péché pour relever cette dame. Alléluia. Il était l'expression de Dieu. Dieu est amour. Jésus devait venir. Jésus devait naître. S'il n'était pas né, on ne parlerait pas du calvaire. Il fallait qu'il naisse afin qu'il aille au calvaire. C'est une très bonne chose. Jésus pouvait guérir le malade. Il a opéré toutes sortes de miracles. Ça, c'est encore bien. Ça, c'est encore merveilleux. Mais Pâques, alléluia. Amen. Jésus devait mourir. Amen. Pour nous sauver. Amen. Jésus devait mourir. Amen. Car l'homme avait péché. Et il était chassé de la présence de Dieu. Depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a chassé l'homme, la loi de Dieu exigeait le sang. La loi de Dieu exigeait le sang. Et personne ne pouvait payer ce prix-là. Personne ne pouvait payer ce prix-là. Personne ne pouvait racheter l'homme. C'est comme ça que Dieu va se décider lui-même. Il est descendu lui-même.
pour racheter l'homme, pour sauver l'homme, pour ramener l'homme à sa position originelle. Amen, amen. C'est pourquoi le frère Branham dit, nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un gentil, mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus, de Dieu lui-même. Alléluia. C'est le sang de Dieu lui-même qui vous a sauvé. Le sang de Dieu lui-même. Le sang qui coule dans les veines de Jésus. C'était le sang de Dieu. C'est ce sang-là qui vous a sauvé. Jésus devait partir au calvaire. Et en partant au calvaire, il a pris sur lui tous vos péchés. Il a pris sur lui vos iniquités. Il a accepté de payer ce que personne n'était capable de payer. Il a accepté de devenir péché. Lui qui était trois fois saint, il est devenu péché. Afin que toi tu deviennes saint. Il a pris ta place. Afin que toi tu prennes la sienne. Alléluia. Il est parti à la croix. Il est mort comme personne ne peut mourir de cette façon-là. Personne ne peut mourir de cette mort-là. Personne ne peut souffrir comme lui a souffert. Vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des tourments. Vous pouvez tomber malade comment? Vous ne souffrirez jamais comme Jésus a souffert. Vous ne souffrirez jamais comme lui a souffert. Alléluia. Il a souffert au point que l'eau et les sangs se sont séparés. La composition chimique de son corps s'est séparée. Alléluia. Personne ne peut souffrir comme il a souffert. Sa constitution était comme ça. Amen, amen. Personne ne peut souffrir comme il a souffert. Et il a souffert comme ça pour toi. Il devait payer le prix. Il devait payer le prix. Car Dieu avait regardé. Il t'a vu dans le péché. Il t'a vu en train de partir dans le péché. Dieu a eu pitié. Dieu a eu pitié. Car Dieu aime l'homme. Dieu voulait communier avec l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, il n'a pas envoyé un ange. Il est descendu lui-même. Il est allé chercher l'homme. Ne dites jamais que je cherchais Dieu. Ne dites jamais que je fais beaucoup pour chercher Dieu. J'ai souffert pour chercher Dieu. L'homme ne cherche jamais Dieu. L'homme, la façon dont l'homme est créé, l'homme a tendance à fuir la face de Dieu. Adam a dit, j'ai entendu ta voix. Je suis allé me cacher. C'est ça l'homme. Mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Et je suis venu me cacher. Mais pourquoi? Tu as fait ce que je t'ai interdit. Alléluia. L'homme a toujours fui la face de Dieu. Mais c'est Dieu qui vient toujours à la recherche de l'homme. Amen, amen. Dieu cherche toujours l'homme. Il est venu lui-même afin de payer le prix. Car le sang de bouc et de taureau ne faisait que couvrir le péché. Ça n'enlève pas le péché. Amen. Frère Branham me dit que Jésus est mort de chagrin. Il a dit que ce n'est pas la couronne d'épines qu'il a tué. Il dit que ce n'était pas le fait qu'on a percé les côtes qu'il a tué. Il dit parce qu'il avait encore une quantité de sang dans son corps. Ce ne sont pas les clous romains qui l'ont tué. Mais il est mort de chagrin.
Il a vu ce peuple vers qui il est venu. C'est son thé. Il le font mourir. Amen. Il est mort de chagrin. Quand nous voyons sur des photos, on le voit avec un petit habit là. C'est l'artiste qui a mis ça. Il a été exposé nu. Vous pouvez vous imaginer ça? Devant ce frère. Devant ses soeurs. Devant sa maman. Devant ses fidèles. Le pasteur Jésus. Exposé nu devant ses fidèles. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Il devait faire ça. Il devait faire ça pour te sauver. Il devait faire ça pour te racheter. Alléluia. Personne ne pouvait payer les prix. Il n'y avait que Dieu lui-même qui pouvait payer ce prix-là. C'est pourquoi il a fait ça. Et il a pris sur lui tous nos péchés. Et là, il a crié que tout est accompli. Tout est accompli. Il avait réglé les problèmes du péché. Il avait tout réglé. Et la parole dit qu'il a payé les doubles de nos péchés. Il n'a pas payé seulement pour le péché que nous avons commis. Il a pris le péché que vous avez commis. Il a multiplié ça par deux. C'est ça le prix qu'il a payé. Alors, le diable ne peut plus rien te réclamer. Il a reçu au double du prix. Alléluia. Il a payé le double. Alors que personne ne vienne vous déranger. Que les dames ne viennent pas vous tourmenter. Dites-lui que Jésus avait payé le double de mes péchés. Amen, amen. Moi, je ne pouvais pas m'aider moi-même. Il fallait que quelqu'un vienne m'aider. Le frère Branham m'a dit que l'adage selon lequel aide-toi et le ciel te dira. Il dit que c'est diabolique. Il dit c'est une insulte à Dieu. Aide-toi et le ciel te dira. Assist yourself so that the heaven can assist. C'est diabolique. L'homme ne peut pas s'aider lui-même. L'homme est un échec pour commencer. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Alléluia. Il dit Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Mais si vous vous pensez que vous pouvez vous aider vous-même, alors Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu relève ceux qui ne peuvent pas se relever eux-mêmes. Mais si vous pensez que vous pouvez vous relever vous-même, Dieu ne peut rien faire pour vous. Ce prix-là, personne ne pouvait le payer. Alléluia. Personne ne pouvait le payer. Il n'y avait que Dieu lui-même pour faire cela. Il est parti à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Vous voyez ce que le péché fait. Le péché sépare l'homme de Dieu. Quand il est parti à la croix, il était séparé de Dieu. Parce qu'il avait le péché sur lui. Le péché que lui n'avait pas commis. Tes péchés et mes péchés. Il avait pris ça sur lui. Et cela fait que l'esprit l'avait quitté. Dieu l'avait quitté. C'est comme ça qu'il pouvait crier. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Il a payé le prix. Il a tout payé. Il a réglé toutes choses. Amen, amen. Et sa mort a été déclarée. Il est mort avec le péché. Alors il devait être enseveli. Amen. Il devait être enseveli.
Jésus était mort. C'était bien pour nous sauver. Alléluia. C'était bien pour nous sauver. Mais le dimanche au matin, Sunday morning, le matin de Pâques, Sunday of Easter, ça c'était plus glorieux. It was really glorious. Ça c'était plus glorieux. It was really glorious. Alléluia. Car le frère Branham a dit, Brother Branham said, cela signifiait that means que Dieu a agréé ces sacrifices-là. God agreed the sacrifice. Dieu a accepté. God accepted. Amen, amen. Amen. Dieu a accepté. God accepted. Le sacrifice a été agréé. The sacrifice was accepted. Le dimanche au matin, la Bible dit que l'ange était descendu. The Bible said that the angel came down. Il a roulé la pierre. He took off the car après l'avoir enseveli, because after burying, ils avaient pris une grosse pierre. They took a big stone. Ils ont mis devant sa tombe, set in front of his tomb, disant que this, cet homme ici, quand il était encore en vie, man, when he was alive, il lui disait he was saying, qu'il avait le pouvoir. He got power. De donner sa vie to give his life, et qu'il avait le pouvoir de reprendre cela. Mais nous, nous savons qu'il ne peut pas le faire. Nous savons qu'il est incapable de le faire. Mais comme il avait parlé, ses disciples vont venir la nuit, les dérober, afin de nous dire après qu'il était ressuscité. Comme ça, mettons cette pierre devant sa tombe pour les empêcher de venir les dérober. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris encore des gardes. Ils ont mis devant la tombe. Restez là. Veillez. Afin qu'on ne vienne pas voler son corps. Alléluia. Qu'on ne vienne pas voler son corps. Nous allons maintenant voir comment il va ressusciter. Il avait trop parlé quand il était encore en vie. Maintenant que nous l'avons achevé, on verra maintenant si ce qu'il avait dit, il est capable d'accomplir cela. Mais le matin du dimanche, alléluia, le matin du dimanche, ce matin-là, il y a eu un tremblement de terre. C'est ça qui a prouvé qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Un homme peut parler. Tout le monde peut parler. Mais pour tenir sa parole, pour prouver ce qu'on a dit, il faut être Dieu pour faire cela. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. Les gardes sont tombés. Les gardes ont eu peur. Ils se sont évanouis. Ils ne pouvaient pas supporter cette grande lumière. Car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi du ciel, revenait à la vie. Revenait à la vie. C'était Pâques. Ce qui amène la différence entre nous et d'autres religions. Ce qui prouve que le christianisme est la seule vraie religion. Amen, amen. Moïse a vécu. Moïse a vécu la mer rouge. Mais après, Moïse est parti. Josué a vaincu les Jourdain. Mais après, devant la mort, Josué s'est incliné. Tous les saints de la Bible, devant la mort, ils se sont inclinés. Alléluia. Les musulmans vous diront que Mahomet est égal à Jésus-Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, Mahomet est encore dans la tombe. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, Mahomet est encore dans la tombe. Mais ce matin-là, Jésus-Christ, le roi du ciel, est sorti de la tombe. Il a eu la victoire sur la mort, sur la tombe et sur le séjour des morts. Laissez-moi lire ce que le prophète dit. Alléluia. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, puis Jésus vint
Se prêcher en 57. In 1957. Paragraphe 4. Paragraphe 4. Il dit, j'ai eu dans mon ministère le privilège de me tenir près des tombes de beaucoup de fondateurs des grandes religions. Des grands fondateurs tels que Mahomet et beaucoup d'autres, de religions dominantes du monde. Religion well-known that are well-known in the world. Mais chacune d'elles a un endroit portant une inscription has got a place where it is mentioned, où son fondateur mort a été enterré et où il repose jusqu'à ce jour. Et cependant, dans le naturel, je n'ai jamais eu le privilège de me tenir près de cette tombe ouverte où Christ avait été déposé et qui ne pouvait pas le retenir. Car celui qui avait dit, je donne ma vie, personne ne peut me l'ôter. Je la donne et je la reprends. Et c'est la seule religion au monde dont il peut être prouvé, que le vrai, la religion chrétienne, notre Seigneur, non seulement il est mort pour son peuple, mais il est ressuscité pour leur justification. Il est monté en haut et ce soir, nous nous sommes le matin, il est assis sur le trône des dieux et son esprit vit dans son église avec son peuple, accomplissant le même œuvre, qu'il avait accompli lorsqu'il était ici sur terre, poursuivant son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, c'est la seule religion dont les fondateurs étaient morts et il est revenu à la vie. Toutes les autres religions sont fausses. Frère Branham a dit, je m'étais tenu devant une foule, tenant la Bible d'une main, le Coran d'une autre main. J'ai défié la foule. J'ai dit, entre ces deux livres, l'un doit être vrai et l'autre doit être faux. Les deux ne peuvent pas être vrais. Alléluia. Les deux ne peuvent pas être vrais. L'un doit être faux. Et l'un doit être vrai. Et cette Bible, celle qui est vraie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni à jamais. Jésus devait mourir. Mourant, il a amené nous. Mourant, il nous a sauvés. Quand tu l'es parti dans la tombe, il a amené nos péchés au loin. Dans la mer de l'oubli. Laissez-moi vous dire ce matin que vos péchés ne peuvent même plus remonter dans le souvenir de Dieu. Dieu ne se souvient plus de ça. Car Jésus a amené ça très loin. Il a amené ça très loin. Dans la mer de l'oubli. C'est là qu'il a enterré cela. Et ça ne peut plus revenir. Quand Dieu vous regarde, il vous voit comme si vous n'avez jamais péché. Il vous voit un saint homme. Il vous voit un saint de Dieu. Pour Dieu, vous n'avez jamais péché. Car le sacrifice a été agréé. Alléluia. Jésus a amené vos péchés dans la mer de l'oubli. Et quand tu l'es revenu à la vie, il vous a justifié. Quand tu l'es revenu à la vie, il vous a justifié gratuitement pour toujours.
Il vous a justifié gratuitement. Pour toujours. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Le diable ne peut plus rien vous réclamer. Vous n'avez rien à voir avec le péché. Vous n'avez plus rien à voir avec le diable. Alléluia. Jésus l'a vaincu. Et il vous a justifié. Quand tu l'es parti dans la tombe, le diable s'est dit, je l'ai gagné. Je l'ai vaincu. Comme d'habitude. Le diable s'est dit, Josué avait beaucoup parlé. Il avait arrêté même les soleils. Mais avec mon aiguille ici, je l'avais réduit à rien. I call him for nothing. Alléluia. Amen. Lui aussi avait trop parlé. He spoke a lot. Maintenant que je l'ai eu, je vais encore le piquer. I'm going to. Il est venu avec son aiguillon. Il a piqué dans le corps de Jésus. Et cette fois-là, l'aiguillon est dans le corps de Jésus. Il n'a plus récupéré ça. Il n'a plus récupéré ça. C'est pourquoi Jean dit. Et quand je le vis, je suis tombé à ses pieds. Il a mis sa main sur moi. Il a dit, n'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Je détiens les clés. Je détiens les clés de la mort. Amen. Et de séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti dans les séjours des morts. Le diable attendait un nouveau client. Il préparait déjà un endroit. Il dit, lui, sa prison sera ici. C'est ça, sa cellule. Je veux le mettre là-bas. Et quand il est allé ouvrir la porte, c'était un client différent. C'était un client spécial. Frère Branham dit, il lui a donné un double pas. Alléluia. C'est là que la clé est tombée. Et il a récupéré ça. Il a récupéré ça. Il est allé voir les saints de l'Ancien Testament. Il est allé les appeler. Abraham l'a vu. Quand il est arrivé à leur porte, il a toqué. Abraham est venu regarder. Il a dit, Sarah, viens voir. Sarah, viens. Sarah, viens. Est-ce que tu te rappelles encore? Tu te rappelles encore de cet homme qu'on avait reçu sous les chaînes de Mamré? Cet homme pour qui tu avais préparé une bonne viande, tu avais donné du lait. N'est-ce pas que c'est cet homme? Sarah est venu regarder. Il a dit, c'est bien lui. C'est bien lui. Je me rappelle de lui. C'est lui qui m'avait vu alors que j'étais dans la tente. Alors que lui tournait son dos à la tente, il m'a vu que j'avais rien dans la tente. C'est bien lui. C'est bien lui. Et Ézéchiel, quand tu l'as vu, il a regardé. Il s'est dit, oui, c'est lui. C'est celui que j'avais vu. Il était une roue dans une roue. Il était la roue dans une roue. C'est bien lui. C'est bien lui. Je ne peux pas l'oublier. Et chaque saint le voyait comme il avait vu à son temps. Alléluia. Amen, amen. Il les a appelés. Il a dit, venez. Venez, nous allons partir. Car bientôt le soleil va s'élever. Amen, amen. Le soleil va bientôt s'élever. Venez, nous allons partir. La Bible dit, il a amené la prison captive. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand Josué l'a regardé, il a dit, c'est cet homme que j'avais vu, à qui j'avais demandé, toi là qui viens devant moi, tu es le nôtre ou bien tu es de nos ennemis? C'est bien lui. C'est bien lui. Jésus les a dit, bien, nous allons partir. Le soleil va s'élever en Jérusalem. Et ce matin-là, les femmes avaient préparé les aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. La,
La Bible dit chemin faisant. Elle se posait des questions. Nous avons nos aromates. Nous connaissons la tombe. Nous sommes en train de partir. Mais qui nous roulera la pierre? Qui va déplacer la pierre? Quand elles sont arrivées, la pierre était déjà roulée. La pierre était déjà roulée. Ce matin, laissez-moi vous dire que la tombe a été déjà roulée. La pierre a été déjà roulée. Plus rien ne peut vous faire obstacle. Plus rien ne peut vous faire obstacle. Plus rien ne peut vous déranger. Alléluia. Plus rien ne peut vous déranger. Il est ressuscité. Il est sorti de la tombe. Et il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Et il avait promis. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Dites qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, il n'est plus dans la tombe. Sa tombe est vide. Sa tombe est vide. Il vit au siècle des siècles. Il est ressuscité et il est rentré au ciel. Il est revenu. Il vit maintenant à nous. Alléluia. Quand les gardes sont partis, ils sont allés annoncer la nouvelle à ceux qui les avaient placés là-bas. Ils les ont parlé de ce qu'ils ont vécu. Ils ont dit, nous avons vu ce qu'on n'a jamais vu. Cet homme-là, on peut tout dire. On peut tout dire. Mais nous, ce que nous avons vécu, non, cet homme-là est Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont donné à ses gardes pour garder le secret. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Dites que peut-être vous avez eu un peu de sommeil. Peut-être vous avez somnolé un peu. Et pendant ce temps, ses disciples sont venus. Ils ont volé son corps. Les militaires qui ont somnolé et les civils ont venu voler les corps. Alléluia. Ce que Dieu fait, vous ne pouvez pas cacher ça. Vous ne pouvez pas cacher ça. Ils ne savaient pas qu'ils avaient facilité encore la communication. Ils avaient facilité encore la propagation de la nouvelle. Parce que les gens pouvaient voir. On voit madame telle venir au marché, acheter une provision comme jamais auparavant. On voit un simple policier acheter une grosse voiture. On dit, mais toi là, nous connaissons ton income, non? Toi, tu es payé 15 par heure. Mais comment tu peux acheter une voiture comme ça? Tu dois nous prouver d'où tu as tiré cet argent. Toi, tu as commencé à cambrioler. You started breaking in. Ah bon? Tu dois nous prouver comment tu as trouvé cet argent pour acheter cette voiture. D'ailleurs, amène-nous tes pays chèques. On va vérifier. Et le policier dit, chut, écoutez, je n'ai pas volé. Je n'ai pas cambriolé. Vous savez, j'étais parmi ces policiers qui s'est trouvé devant la tombe. La tombe là. La tombe de Jésus. Cet homme qui parlait trop là. Oui. Moi, j'étais là. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent? Écoutez ce que je vous dis, laissez-moi finir. Non, il ne faut pas nous perdre notre temps. Dis-nous, il dit, on était là-bas pour garder son corps, afin que ses disciples ne viennent pas le voler, comme on nous avait demandé. Mais les dimanches matin, les dimanches matin, ce que nous avons vécu,
on peut se mettre à vous expliquer. Amen. Mais l'explication ne sera pas vraiment enough. Cet homme-là est Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est ressuscité. C'est vrai. J'étais là. J'ai vu ça de mes propres yeux. Si vous partez là-bas, cette tombe-là est vide. Mais comment tu as eu l'argent? Nos chefs nous donnent l'argent. Afin qu'on garde le secret. Afin qu'on ne dise pas qu'il est ressuscité. So that you might not spread the news of resurrection. Ah bon, c'est comme ça, oui. That way, yes. Donc tu n'as pas volé. You did not steal. Pour que tu puisses partir. Yeah, il est parti. L'ami de ce monsieur-là arrive. The friend came here. Tu as vendu cette grosse voiture? Oui, je l'ai vendu. Je l'ai vendu. I sold it. Ah, tu as eu un acheteur quand même. Did you find somebody to buy it? Il est venu d'où comme ça? Where did he come from? Tu connais le policier du coin là-bas, celui qui est là-bas. Un policier? A policeman? Comment ça? How? Oh, tu connais pas ce qui se passe. You do not know what's happening. Tu sais, Jésus, you know that Jesus qu'on avait crucifié. That was crucified. C'est comme ça que les gens gagnent la vie comme ça. Lui avait quand même la chance d'être devant sa tombe. Mais le matin du dimanche, ce Jésus-là est ressuscité. Maintenant, nos chefs. Now all the chiefs, they vont donner de l'argent pour qu'ils gardent la vérité. Et c'est comme ça que la nouvelle commence à se déclencher. La nouvelle est partie comme ça. La nouvelle est partie. Et toute la ville était informée. Alléluia. Toute la ville était informée qu'il était ressuscité, qu'il était vivant, que sa tombe était vide. Et jusqu'à ce matin, cette tombe-là demeure vide. Cette tombe là de mer vide, alors que d'autres fondateurs sont encore dans leur tombe. Mais le fondateur de notre religion est vivant et il vit au siècle de siècles. Nous devons être fiers. Laissez-moi lire le prophète. Nous devons nous estimer errés. Dans la prédication, quand leurs yeux s'ouvrirent, prêchant 56, paragraphe 24, elle dit, écoutez, chrétiens, je vais vous poser une question sérieuse. N'est-ce pas merveilleux ce soir de savoir que notre religion chrétienne, il dit, pensez-y sérieusement maintenant. Et la seule religion au monde sur des centaines et des centaines qui peut prouver que son fondateur est sauveur et vivant. Bouddha est mort il y a 2500 ans. 2500 years. Mahomet est mort il y a environ 1900 ans. 1900 years ago. Le fondateur des différentes religions sont morts, enterrés. Ils ont leurs mémoriaux sur la tombe. Mais nous, nous avons un tombeau vide. Pas seulement ça. Not only that, les Juifs ne pouvaient pas croire cela. Ils ont dit que certains de ses disciples sont venus les dérober. Ils essayaient toujours d'imaginer une échappatoire. Un moyen mécanique. Mais Jésus savait cela. Il savait qu'ils allaient faire cela. Mais il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Alléluia. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Les choses que je fais, vous le ferez aussi. Les Juifs cherchaient toujours une échappatoire. Mais Jésus savait cela.
C'est pourquoi il a dit, je reviendrai, je serai avec vous. Les œuvres que moi je fais aujourd'hui, je le fais seul. Maintenant, je le fais seul. Mais quand je vais revenir, les œuvres que je fais, vous tous, vous le ferez aussi. Vous tous, vous le ferez aussi. C'est pourquoi, quand on a arrêté les disciples, et qu'on voulait le faire périr, ils étaient tous d'accord de le faire périr. Mais il y avait un homme de la loi. Comment il s'appelait encore? Son nom m'échappe. Il a appelé les gens de Sanhédrin pour leur dire, faites très attention à ce que vous allez faire à ces hommes ici. Car nous connaissons beaucoup qui sont venus avant de Jésus. Ils ont trop parlé. Ils se sont fait des disciples. Mais on a mis le main sur eux. On les a tués. Et tous se sont dispersés. Mais cet homme de Jésus, depuis que vous l'avez fait périr, mais jusqu'aujourd'hui, sa renommée ne fait que croître. Ça ne fait que croître. Il leur a dit, faites très attention. Vous allez courir les risques de combattre Dieu. Alléluia. On ne pouvait pas arrêter l'œuvre de Jésus-Christ. On ne pouvait pas faire taire les disciples. Le christianisme, c'est la seule religion. C'est la vraie religion. Notre fondateur vit au siècle des siècles. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il a promis que les œuvres que lui a faites, nous allons le faire aussi. Il a mené une vie sainte. Il a marché sur la terre des hommes, la terre pleine de péchés, mais il n'a pas péché. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi. Tout le miracle qu'il a opéré, vous pouvez le faire aussi. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps morts. Alléluia. Et ce n'est pas merveilleux ça? Ce n'est pas merveilleux ça? Que Dieu soit loué. Pâques, c'est une grande fête. Pâques, c'est le sommet des sommets. Pâques, c'est là que notre religion est devenue réelle. Pâques, c'est ça notre fierté. Pâques, il ne nous rend pas orgueillés. Mais nous sommes fiers, car un chrétien ne peut pas être orgueilleux. Mais nous sommes fiers. Nous pouvons parler tête haute. Jésus avait prouvé qu'il pouvait accomplir ce qu'il avait dit. Et il avait dit qu'il reviendra nous prendre. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'un de ces quatre matins, il va revenir. Il reviendra pour nous chercher. Et là où il est, c'est là où nous serons aussi. Ce jour-là, nous allons défier la pesanteur. Nous allons monter. Nous allons aller plus haut. Au-delà des étoiles, au-delà de la lune, au-delà du soleil, nous irons plus haut, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Pâques a tout réglé. Pâques a tout scellé. Pâques, vous êtes justifié pour toujours. Marchez tête haute. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Croyez à cela et allez de l'avant. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il vit aujourd'hui dans vos cœurs. Il vit maintenant parmi nous. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Je vous prie de vous lever.